c'est vraiment un Nice Mancha, j'en désolé, ai d'accord. moi c'est ma première game, j'ai eu les boutons, je me rappelle pas, je suis sur Warzone. J'ai réussi à rater. Alors j'allais dire, le gars réussit à rater une fourmi dans un couloir, dit comme ça. C'est bien normal. Joint, sauf que les fourmis font la taille d'un éléphant. Donc normalement, je ne devrais pas pouvoir les rater. Mais franchement, la sensibilité du curseur est tellement mal gérée que ça devient dur de viser en fait. Au point où on en était, franchement, ils auraient pu faire un truc à la GTA où, dès qu'on verrouille quelque chose, on reste dessus et puis voilà. Là, ça aurait été, j'ai envie de dire, kid friendly. Parce qu'en fait, j'ai mis le saut sur L1. C'est une tannée de visée. Et l'aspect sur le multi sur X, sur ça. Enfin, je suis sur. Glisser, bouger la caméra en même et temps. C'est super galère, mais c'est mieux encore pour moi. Encore une fois, dans Spirou, la caméra, elle se démerdait pour bouger, on n'avait pas la gérer, c'était quand même plus sympa. Tu vois ce que je veux dire. Et Spirou, ça date quand même de la première PlayStation. Donc. Mon frère. On aurait pu faire des progrès. En plus, c'est censé être des pointures, les mecs qui ont fait ça. Je comprends pas qu'il se soit, je sais pas, un petit peu paresseux. Voilà, je me suis fait ah, voilà des petits cerisiers en fleurs. C'est quand même assez joli, hein. C'est pas Ghost of Tsushima, mais c'est quand même un peu mini, je reconnais. Alors, on va continuer d'explorer ce magnifique paysage. Wisebot, un peu répétitif, hein, toujours les mêmes trois cailloux qui se battent en duel. D'ailleurs, c'est tellement répétitif, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure et je m'en suis pas rendu compte, je suis remis sur mes pas. Comme tout se ressemble finalement. Ça change pas grand chose, cette chanson par une porte, je suis ressorti par l'autre. Donc, j'y retourne. Est-ce que. Bah, c'est pas là, non, c'est fermé. C'est fermé, ok, c'était ascensionné. On y retourne. Voilà, ça c'est le petit pont où il y avait des noisettes. Tout à l'heure, ça me revient maintenant. Malgré les fragments de mémoire qui me balancent, c'est comme mon Alzheimer me travaille. Je peux mettre de côté pour. Ah, mais je la connais pas, c'est Colibri. La musique, franchement. À l'époque, on aurait mis ça sur une démo Amiga. T'as besoin de l'ulti ou pas? Ah, c'est classe. C'est moderne. Attends, désolé, attends, je vais. T'as besoin de l'ulti ou pas? Un accélérant d'ulti. C'est pas intéressant? Et je le drop, Et j'ai une carte d'accès clé de plan. Ah, je sais pas où c'est. Ah bah tiens, je peux y aller là, c'est là. Mais attends, vas-y, je te rejoins celle-là, c'est mieux. Voilà. Ah mais j'ai comme je peux courir vite. Dessus la montagne qui se place. T'inquiète. Oh, j'ai double son. Oh, c'est bon ça. Déplace le curseur. Putain, c'est génial. Je vois absolument pas l'intérêt d'avoir fait ça. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, sinon je peux pas utiliser. Non, mais j'étais beaucoup sur Warzone et j'arrivais pas à faire des top 1. J'ai arrêté Fortnite. Trop de top 1, Fortnite, trop facile. Et voilà quoi. Moi je suis en bleu. J'aime bien ça dans le jeu, ouais, c'est vrai. Technique pour vous dire quel jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Clairement, en fait partie, je regrette un petit peu mes 29 ou 30 euros, je ne sais plus combien. Je me dis oui, parce que ça m'arrive encore d'acheter mes jeux. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont l'air de prétendre, genre ah oui, ouais, ça va. Normalement, avec la. C'est discret, tu passes inaperçu, même sur des jeux. C'est ça qui est d'être. Pour dire du bien des jeux. Non, ça arrive encore d'acheter des jeux, notamment celui-là. Voilà, mais. Oh là là, ils ont mis, tu sais, sur l'arme flatline, ils ont mis un petit porte-clés. J'ai cru que c'était un ennemi qui me tirait dessus en rouge là. Ah, c'est dégueulasse. Alors, pas là, je vais retourner à un rochement parce que je suis un tamarin têtu. Et que normalement, c'est pas ce petit. Hein? Non, je vois personne là. Attends, je te rejoins à la pointe. Il est où l'autre? Il est mort l'autre? L'espèce est pénible. Est-ce que je repars du checkpoint précédent? Voilà. Alors allons-y. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec la maniabilité de ce curseur. Donc limité à ce petit carré. Là je me déplace dans ce petit carré. Je vois vraiment pas l'intérêt. C'est quoi? En même temps, au lieu de rusher, je serais peut-être mieux d'aller chercher un plus gros gun. Blâme-toi en étoile ninja et tout. Hein. Faire, hein. Parce que je vois qu'il y en a plein de blessés là. Tire, ouais, mais bon, comme je dis toujours, hein, c'est mieux que rien, c'est mieux de l'avoir que d'en avoir.
Allez, petit tamarin. Comme je dis toujours, comme je dis dans Warzone, si c'est là, c'est pas par hasard. Si tu l'as en loot. Faut le toucher 40 fois avant de le tuer. Allez, c'est parti. Plus beaucoup de vie en plus. Et plus beaucoup de munitions non plus, ça commence à faire beaucoup. Allons chercher au moins des munitions. Ah. Et oui, j'ai plus de munitions là, dans ton cas. Je risque de viser. Vas-y, je te mets le casque. Ça tire quand même un peu. Un peu moins de balles, mais quand même un peu. Prends, assez mystérieux. Alors, ce truc est transparent. Je ne sais pas pourquoi, j'y ai pas droit. Ah tiens, il y a un démon de crâne. Je vais voir si je peux pas trouver des munitions un peu plus grosses. Attends, moi j'ai pas besoin de ces munitions. J'ai pas besoin de ça. J'ai un autre qui appelle ça. On va se faire une planque. On est safe là? Ok, on va se faire une planque de soins ici, hein, au cas où. Comme ça on peut prendre d'autres choses. Et je vais prendre juste du gros. Ah oui, et un gros. Pas, mes frères, il n'y a pas de Félix. Ils ont pas vu la bute. Ils croient encore en moi. Ouais, bien sûr. Attends, j'ai pas beaucoup de. T'as une mission de fusil à charge? Le gameplay est pas mal, Marcus. Non, gros, les super 15, non. Le gameplay n'est pas mal. Je mets un jump. Le gameplay est resté coincé dans les 80 comme moi, finalement, donc ça devrait plutôt me plaire. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il y a vraiment pas de. Il y a de la sentinelle, c'est bon ça. Vraiment, ouais. Ah oui, c'est ça. Ils ont fait un truc pour les enfants, mais Flightline, ils ont vu, tu crois? Attends, je mets un feu. C'est quoi tes ultis? Je connais pas bien. Regarde, il est là-bas. Oh putain, tu rushes? T'es chaud. Oh là là, c'est quoi ton ulti là? Alors, c'est qui? Oh putain, merde! Regarde, il est en bas. Et il y a deux équipes en fait. Il est sur moi là en bas. Ah merde. Il y avait deux teams. Je crois qu'il y avait deux teams. Parce qu'il y avait 4 personnes en fait. Mais quand même. Ah t'es pas mort, GG. Bon attention, il est en rouge. Rouge et noir en bas. Il est lourd. Rush-le. Il doit être. Oh attention, c'est lui. Ah il joue bien. Tu veux en faire une? Attends, comment on relance direct? Je reviens au salon. Je sens qu'il est pas bien là. Oh, il m'a eu! Oh, je me fais tuer par une fourmi mutante. C'est terrible. C'est toujours, on sent la Dead Force du Mini sur Nintendo. Oui, sauf que c'était bien Dead Force du Mini. Ah, finalement. Et comment? Franchement. Pas grand chose à sauver. Encore un. Allez, je me retape le même truc, ça fait 3 fois qu'on le voit. Je vais faire un effort, en plus, on est bientôt à la fin de l'émission. On va même pas arriver. Ah bon, c'est petit temps. Bon, alors il a un deuxième gun, je vous le dis. Après, il va rentrer dans des. Qu'est-ce qu'il y a, la boîte? Des usines, parce que pour les niveaux, ils sont pas foulés non plus. Après la campagne, on a droit à des. Non, mais il est là, avec des petites fourmis qui dansent, tout ça. Donc, ça, franchement, ça faisait espérer un petit univers à la Oddworld. Et même pas. Alors, par contre, si vous voulez, ils ont ressorti Oddworld. Alors là, oui, là je dis oui. J'ai réussi à me faire tuer avant même de rentrer dans le disque aussi. Oui, ressortez Oddworld, ils ont ressorti. On attend le prochain épisode. L'Odyssée Neb, vraiment Munch Odyssey aussi. Merci la dame. Je vous les recommande, c'est vraiment des. Non, j'ai pas grand chose, mais c'était mon col. C'était sympa de lécher. Je crois qu'il avait été un petit peu limité, mais pas beaucoup, mais ça suffit parce qu'il était déjà beau à l'époque. Donc là je dis oui. Comment on le retrouve le gardement? Je dis non, Tamarin, c'est pas possible. Détail de la partie. Regardez-moi ça. C'est machin qui sort du cadre. Zéro joint à personne. Invitation de crossplay. Sauver un ami. C'est totalement inutile. C'est bon. Je suis en train de vider mes chargeurs là-dessus pour pas grand-chose. Et du coup. Allez, avec un peu de chance, il me reste quelques minutes.
Pour venir à moule de ce truc de merde, c'est quand même pas. Oh non, hey, bah, quoi, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Tout, tout en vol, là, hein. C'est tragique. Capacité de horizon. On dirait des guillemets. Ah, l'entraînement, ça marchait. Quand, ouais. Ma vie, ma excuse, j'ai quand même réussi à l'avoir. On dirait, voilà, et bon, toutes les habitudes du jeu m'a pas donné envie d'y retourner. C'est clair qu'après ce Level 1, je ne le rebrancherai plus jamais. Si je pouvais me faire rembourser mes 30 euros, je le ferais. Voilà. C'est belle, on dirait Mélanie. C'est bien de vous montrer ça aussi dans le Level 1 parce que je ne suis pas le seul à le faire voir. Et Claire de génie. Elle est passive. Les accélérateurs d'Ultime recherchent entièrement la capacité de connecter des nœuds pour créer des barrières électrifiées qui blessent et ralentissent les ennemis. Passer un pylône électrifié qui détruit les explosifs et lui, elle répare les vitrines endommagées. Bon, elle aura comme ça, dès l'entrée, hein, c'est ça le sens c'est de l'accueil chez les fourmis. J'en ai marre, j'ai envie de jeter la manette. Oui, c'est quand même pas un jeu hyper exigeant, machin, compliqué, et je galère sur une connerie. Donc c'est que vraiment, soit je suis très mauvais, et c'est le cas, et c'est le cas, soit c'est qu'il y a un truc qui va pas aussi. Donc c'est pas... Ça, ça fait du bien de parler à quelqu'un. Warzone, je fais un jeu, ils sont en mode vénère. Il y a aussi une part de responsabilité de la part du jeu. Ils vont attendre, ils vont nous entendre. Je veux bien que ce soit mauvais, mais enfin, à ce point, c'est quand même qu'il y a un problème au niveau du gameplay de ce jeu. Voilà. Après, j'essaierai, mais quand même, mais je me dis, voilà, à 3 ans, peut-être que lui va réussir là où j'ai échoué. Voilà, allez, je me fais tuer une dernière fois pour la route. Aujourd'hui, il vous invite à la cérémonie qui récompense en direct les meilleurs jeux de l'année. Team Game One Awards, aujourd'hui en direct à 16h et en exclusivité sur Game One. Ouais, ça m'en est trop fort. Je crois que ça fait mal. On est 7 milliards sur Terre. C'est pas 100 personnes qui vont me faire flipper. Faut pas que je me laisse emporter par le stress. Tout est sous contrôle. Comme mon rasage. Je le son de l'année. Ouais, sans doute, c'est au vu son âge. Je serais fier. J'ai le complexe d'être présent auprès et renfort imbattable. C'est ça, la perfection masculine. Bah du coup je le retrouverai jamais mon copain. Hey, salut à tous, c'est Nutiteuf, j'espère que vous êtes prêts pour y penser parce qu'aujourd'hui on va faire un level 1 sur Fuser. Fuser qui est un jeu un petit peu dans la veine des DJ Hero, Guitar Hero, Rock Band, dans lequel on va devoir eh bien... Il n'y a pas trop de festival, donc bah écoutez, on va s'ambiancer ensemble sur un Tomorrowland like ou autre festival de musique. En tout cas, c'est parti, ça s'appelle Fuser. Là, j'y joue sur Switch. Je vous préviens déjà, ça va probablement ramer un petit peu parce que la Switch a un peu du mal, mais c'est aussi dispo sur les autres consoles. Et je vous montrerai le début du jeu. Donc, alors, Fuser. C'est un jeu dans lequel on va incarner un DJ. On va pouvoir sélectionner un petit peu son DJ, son apparence. DJ ou DJ ? J'ai un peu mal au pied. Dites-moi. On peut sélectionner donc différents. Bon, là on a un peu. Il a pris dessus sur. Ah, il est en retard. Il a viré tout Firefox. Même les iconiques. C'est un truc de ouf. Différentes choses, alors là je crée une fille parce que vous verrez sur ma partie. Il y a des Firefox ici en bas, programmés pour s'ouvrir, ne pas jouer parce que c'était programmé pour s'ouvrir sur l'iPhone. J'ai juste installé Chrome, je ne l'ai même pas encore ouvert.
Il a pris l'autorisation d'être le docteur par défaut et de se supplanter surtout, quoi. Il va parler partout. Ça, je dis. Ne dis pas ça, c'est la vérité. Il n'y a rien à dire. Il va lui mettre des tatouages. Non, mais qu'est-ce que ça voulait dire d'autre? Qu'est-ce que tu crois que ça voulait dire d'autre que je dis? Je sais pas, t'es dans le digital, je veux dire, d'un moment. D'accord, mais souvent tu comprends pas. D'accord, mais souvent, avoue que quand même, souvent tu comprends pas, c'est énervant. Ah, d'accord. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et on va lui mettre. Chrome, il va supporter tout le Firefox que j'avais à voir. On va partir sur un petit short. Et on va y mettre. Bleu. Et on dirait Ondine dans Pokémon au niveau des couleurs. C'est les couleurs de Ondine, c'est pour ceux qui ont la ref. Eh bien, vous l'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas, c'était la reine de type O. On va lui mettre des bottes de cowboy. Et on va aller